Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que tu dis ? Lavez-vous les mains très régulièrement. Ne vous serrez plus les mains. Mais pas vous fatiguez pas, là. Ne vous embrassez plus. Avoir tout le temps un mètre de distance avec la personne qui est la plus proche de vous. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Vous avez un départ de l'épidémie qui va faire une courbe, qui va monter comme ça, qui va faire un arrondi. Schématisé, mon vieux, schématisé. Oui, mais attendez. Ils ont décrit chez des sujets jeunes une perte totale de l'odorat, voire une perte totale du goût. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi. Un gueusi. Qui c'est ça? Un privatif du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif. Moi, je sais pas utiliser un masque. Ça suffit, je serai capable, là. J'ai donc décidé la fermeture, à compter de ce soir minuit, des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Aux arrêts de rigueur, dans sa chambre. Allez, 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 la porte. Allez, 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 allez. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Les papiers, allez hop! Vous savez pas à qui vous parlez, je m'en fous! La pandémie de Covid-19 touche 185 pays. 2,6 millions de personnes sont contaminées dans le monde. Le meilleur médicament, semble-t-il, à la télé pour passer cette épidémie, c'est Louis de Funès. Voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà quelqu'un de lucide. Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant, pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Alors, entre nous, il existera toujours ça, voilà.